Événement ce mardi 14 juin sur France 2. Olivio Ordonez, alias Oli du duo Big Flo et Oli, s'envole pour Madagascar en compagnie de Raphaël de Casabianca dans un nouveau numéro de Rendez-vous en Terre Inconnue. Le célèbre rappeur toulousain et l'animateur de France 2 ont passé 15 jours auprès des Vezos, un peuple semi-nomade de cette île de l'océan Indien. Dans les colonnes de Téléstar, Oli explique pourquoi il a accepté de participer à ce programme qui a marqué son enfance. Comme chez beaucoup de Français, l'émission est un rendez-vous de famille. Chaque fois qu'elle était diffusée, il y avait tout un protocole. Ma mère, qui est passionnée de voyage, nous prévenait quelques jours avant et on savait qu'on allait peut-être manger devant la télé, ce qu'on ne faisait pas forcément d'habitude. Rendez-vous en Terre Inconnue nous a donc régalé pendant un certain nombre de soirées. Ça doit faire au moins 10 ans qu'on la regarde, explique-t-il dans nos colonnes. Le rappeur confie toutefois qu'il a refusé un premier départ, Raphaël de Casabianca me l'a proposé une première fois, mais c'était une période un peu compliquée pour nous et donc je ne me sentais pas de partir. Plus tard, je l'ai recontacté, je lui ai dit, je crois que je suis prêt, je crois que je peux, si ça te chauffe, let's go. Rendez-vous en Terre Inconnue, quelle sera la prochaine personnalité à s'envoler avec Raphaël de Casabianca? Le dernier épisode diffusé de Rendez-vous en Terre Inconnue date de mai 2021. Vianney avait alors découvert la tribu des Afar en Éthiopie devant près de 6 millions de téléspectateurs. Après l'épisode d'Oli à Madagascar de ce mardi 13 juin, les téléspectateurs de France 2 pourront découvrir dans les prochains mois le Rendez-vous en Terre Inconnue de Jari au Groenland. Diffusion prévue en 2023.